4 protocoles d'entente visant la promotion de la coopération décentralisée ont été signés à Marrakech dans le cadre du 8e sommet Africité entre l'Association marocaine des présidents des conseils communaux et des présidents des collectivités territoriales africaines et internationales. Ces protocoles visent à renforcer l'action commune pour un développement durable. Les domaines de coopération de ces conventions portent sur plusieurs volets, notamment l'égalité, la solidarité, le partenariat, l'inclusion, l'innovation, la transparence, l'information, l'évaluation et la capitalisation. On vient de signer un protocole d'accord avec l'Association des collectivités territoriales de Congo, donc de Madagascar et de Burkina Faso. Ce sont les premières, mais on aura d'autres signatures avec d'autres associations, parce que les associations, c'est elles qui encadrent les différentes communes des différents pays. On a aussi signé un protocole d'accord avec donc le réseau d'économie solidaire français des territoires, avec Madame la Présidente. Ça, c'est une nouvelle expérience d'internationalisation du travail des associations des collectivités territoriales. Au-delà des jumelages et des accords de coopération qu'il y a entre les villes, il faut que les fêtières de ces villes également puissent trouver une synergie d'action à travers une coopération et pour discuter des centres d'intérêt qui leur sont communs. Donc je pense que c'est une nouvelle convention qui va nous permettre de capitaliser sur nos expériences et de pouvoir répondre à ce rendez-vous du donner et du recevoir entre Africains. Les 5 parties signataires s'engagent en vertu de ces accords à œuvrer de concert pour partager les connaissances et les bonnes pratiques, encourager la coopération locale, appuyer de manière opérationnelle les opportunités de dialogue et d'échange politique, économique et socio-culturel et favoriser l'intégration régionale ainsi que la promotion de rencontres internationales ou régionales.